koleka mais ko folo midé aza idole na ye. Donc c'est normal que le oyo ndenge bakala so ezongi obo fixe to tika bango ba kendera bongo na bolamo. Donc le oyo elle est normal que oase quoi akoum sa ko folo midé eza normal aza idole na ye. Ya loko la otuna kester nani nawera akoum sa kester aza idole na ye. Bon notre problème est que nati le collé levier que nous saluons aza ki obligé bon ndi mara ndi macha chukara confirmer ngo. Bon je ne sais pas. Je n'ai pas bien suivi. Je n'ai pas suivi l'élément. Mais par rapport à Nina, dire que Natia Boy Yango, je ne crois pas. Non, il y a Boy Lindega Tchacho. Lui, Tchacho, il y a Rumba. Je crois. C'est un monsieur qui se documente aussi beaucoup par rapport à. C'est un chroniqueur au recensement. Parce qu'il faut savoir que nous avons des présentateurs des émissions, des animateurs, des émissions culturelles et musicales, et on a des chroniqueurs. Nalibanda. Alors, Nalibanda le Oyo. Fait signe que nous sommes presque à la fin. Nalibanda le Oyo. Nalibanda le Oyo. Nalibanda. Soit tangi trois artistes à Congo. Nalibanda, c'est Koffi Olomide, c'est Weranson, c'est Fally Ipupa. Moni Sikoyo. Actuellement, nous avons Simbi. Non, avant vendre biso libanda, c'est Fally Ipupa, mais okay. Par rapport là, là je crois que mon émission est terminée. Donc c'est ce que je voulais. Donc, nous sommes venus vous chercher pour notre classement wana. Je crois qu'on peut boucler l'émission JPN Production. Donc pour dire quoi? Bon, vous avez cité Koffi Olomide, Weranson et Fally Ipupa. Il y a pas de Ferré, il y a pas de Jimmy Piana, il y a pas de Nalobi Sokotangi. Tous trois artistes et musiciens. Ok. Ça confie qu'on peut s'aimer l'ange, qu'on m'attire jusqu'à ce que dans la quatrième mission, Félix Oiseau a accepté qu'il y ait un tchatcho. Mais c'est quelque chose d'étonnant. C'est lui-même qui a naturel collé à Kamwe. Il y a même le Kamwe, il y a au Kamwe. Ah bon, il y a un mot, le tchatcho existe à rater. Bon, en fait, il faut faire la part des choses. Premièrement, pour tourner à Sougi, le monde des arts est redémarré. Réellement, le monde de la musique a été redémarré par le clan Wenge, le grand Wenge. Et aujourd'hui, bah, il fait un peu de temps. Félix Oise, il a fait une bonne relation avec Bango. D'attend, il a fait pour redémarrer la musique congolaise. Il a fait un peu de temps. La musique aujourd'hui et comme une fois musique n'est pas toujours émaré la musique il faut faire la part des choses aujourd'hui on doit faire un grand effort. Yango, on a mis en place une structure Amitié Presse Objectif Congolaise. L'objectivité est ajoutée dans mon avis soir. Mais actuellement la presse est divisée. La presse est divisée, ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, on a des charlatans dans ce domaine et surtout monde à YouTube, les gens sont permis, Baza permis dans la salle à Nyon. Quand on français, on est bon bango. Tu n'as pas la vérité, quoi. C'est que le gars, tu as la bandoki. Nakata, il y a mon après. C'est pas charlatan, c'est pas bandoki. C'est pas charlatan, ça veut dire. Charlatan, il y a bateau. Donc, le Oyo, c'est vrai. Donc, en fait, le tchatcho, en un mot, selon moi, le tchatcho vient de la rumba. Au débat, mixé un peu na sauce, il y a fiesta. Donc, symbiosona, ne et sali la rumba, Oyo, musique au Koffi, abenga tchatcho. Alors, merci. Fidèle abonné de la version nouvelle télévision, Topesibino Mbote, Sikanyo, Sezoa Mibino, dans 5 continents, il y a monde de Sika Bolandarabiso, Mingi, pour nous avoir information, il y a musique congolaise. Aujourd'hui, tu m'as mis les informations, au Bozo, je l'ai là, au Boebi, que non, Mikolo, Ferrego, la Outiko Bima, et ça, il y a Mingi. Alors, bah critique, peut y qui de part et d'autre concernant sortie, naïe, sortie, mon corps, et pas un homme, sorti raté, sorti sans épargne. Et
puis kaka na cadre ya ba information boyebi ke mikole leki grand frère na biso oza une ya monde ya chronique musicale nati lokole ayamba ki Félix Azoué Kamukwa Bongo na émission na Skype babeta ki masolo ya chacho et bande ko na biso ya quartier latin ba sepela kité baloba ki nati lokole azo ignorer puis ya yi tellement de répliques sika wapi ba to mona ki ba 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 nyama ko ba langue japonaise sika ba 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 ki sinjora ba meka ki pe ko piquer ko répliquer pona ko taquer ko ba azo vivre na ignorance et loko sali et c'est pel ce qui ba ngote wana za ki selon bande ko na biso ya quartier latin aujourd'hui ya ngope tindi biso to ke ndoko luka moko ya ba grand na monde oyo ya musique oyo za vraiment na historique ayebi makambo ebele to benga ka e sagesse azana sagesse pire azana l'intelligence pire connaissance ebele vraiment vandicat nae na kombo ya Jupen na production Jupen Kabongo azali natif ya Bandal boyebi bongo aza fondateur ya ba Sol Bar aza vraiment muto a simbi ba activité bele na kati ya Bandal et tous ensemble avec yé na plateau ceux qui ba koki ko fongole la biso vraiment bon mon na Jupen production Jupen Kabongo à qui je dis notamment bonjour grand frère. Bonjour à toi mon ami, aussi bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette grande chaîne de YouTube Version Nouvelle version Télévision, nouvelle télévision. Là je suis à Bandal, chez moi, à Bandal dans mon village, dans la maison à Bandal, ma terre, parce que je suis natif de Bandalungwa et je suis précisément au resto bar chez Wadenia. Ils ont une référence, il y a un restaurant, il y a Bandal Père Ville à Kinshasa parce que plus de 20 ans d'expérience, au Nyonso, et même Pepenango, Rosimbara chez Wadenia, parce que la grande classe, c'est d'abord, et c'est que tu as dit que président de Banakin, il y a Godard Montemona, tu as dit que GG Foula Mambo, tu as dit que il y a Donna Lioke, mon colonel que je salut, tous les gens, bah prêtre Bélé, bah dit donc quoi, bah Tito Makali, donc bah tout ça, tous les gens, ah ouais, chez Wadenia, puis ali siège, il y a Papa Nabiso, Jano Bombenga, qui est en fait l'icône de la rumba pure, de la rumba Odemba. Papa Nabiso, Jano Bombenga, a eu sa siège naïe. Donc allez vous comprendre, nous sommes dans un cadre historique, un cadre significatif par rapport il y a culture Nabiso et par rapport il y a commune Nabiso Bandalungwa pourquoi pas la ville de Kinshasa. Je suis en pleine réunion avec mes partenaires parce que d'ici là, Sol, bah, nous allons organiser une grande activité dans le cadre de 8 ans d'Abisso d'existence. Et voilà. Comme c'était version nouvelle télévision, je me suis dit, je ne peux que accepter cette interview et aussi donner ma petite contribution par rapport à Yamakambo Torolobela Awa. À moi, connaissance mon quai Oyo Tozainango. Merci beaucoup, JPN Kabongo, parce que au Salarawana, en tout cas, Tozana. Témoignage, moi, il y a bien pour Nayo. Et tout le monde, la presse, non, c'est un vieux là, très bien. C'est ok à tout moment, netiboué. Je vous informe qu'il y a la moussi et la pongi. Il y a plein de préparations, il y a téléphone. Alors, vraiment tard. Alors, quand nous avons appelé, à répondre directement, j'arrive là, à Longwe, TMC, nous sommes dans un lieu musical. Vous allez voir, au Ben de la Bino, il y a des photos, il y a des musiciens. Nous voyons là, il y a Kofi Olomide, nous voyons là, la levé Jano Bomenga, nous voyons là Nyoka Longo, tout ça vraiment Papa Wimba Kuruyaka, tout ça na Pepe Kale, Kim Kester Emeneya, il y a tellement de photos, tout ça vraiment dans les gens. Mais ça va être Bandalungwa, qu'il faut le mire Bandalungwa. Apparemment, il y a un peu de temps. 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 Il donc, Kester Emeneya n'est pas toujours. Il y a ça, le roi Bissot. Moi, je suis fanatique de King Kester Emeneya. Il vient dans un quartier. Il vient dans l'avenue. Moi, je suis natif de l'avenue Lubuzi. Et Kester habitait sur l'avenue Lubuzi. Moi, j'ai eu la chance de connaître King Kester Emeneya vers 1987. En 1987, il y a eu mes bénins, il y a eu mais King Kester Emeneya en 87. Allez-y comprendre. Donc, King Kester Emeneya, ton le baga Mabele, c'est lui. Donc, King Kester Emeneya a eu Bandal, a eu Vanda.
na venir boula na parler ba Amazon azo foot la wana. OK, et puis ayo foot na Timasi et tire pas son maranda kuna ye ya mi balle je crois. Okay. Et après ayo ya so sinkin ma belle ma mère ne ego ça so un pifo ne va faire ne benino ma belle ou tire la ma belle donc Jérusalem. OK. Les Arabes, la bandale, la bandale, la vigne, la bouzi. Donc, sur le talib, dans ma photo, on y a toujours une histoire dans la bandale. La musique congolaise est solbatique parce que Bazal lié moi mouké na bandal donc okay. Artiste nyonso la majorité bien sûr bana moi histoire moko na bandalonga. Merci beaucoup. Voilà ceux qui te le corrigent j'ai plein de production parce que vous allez ramener la sagesse moi. Voilà aujourd'hui nous voulons que le bapena vérité aux anabosembo. Aujourd'hui la musique congolaise et 8 mois mouvement est belé ko banda banda ba concert à wenge auto solo la kiango mouvement bena ningani moi trop na ba information ba événement. Voilà côté Wenge à Betty Comba concert mi balé à Minene stade de Marti et stade de Marti puis Pullman et hier na premier temps yot et au Simba et Simba na premier temps onte et Simba mais prophète de bonheur avec beaucoup de contestations. Non, contestation dans la vie d'une personne, dis-toi, et le mot est toujours parfaité. Okay. La seule personne à ça ka et le Rosalie et ça pendant net et ça na perfection et ça bon grand prêtre en colo. Nous les humains, on a toujours de la kine. Okay. Donc moi je t'avais promis, je t'avais bien dit que et retourne au Simba on son le bagi et ça la magie parce que biso to sola na grand prêtre en colo. Et moi les a qui redémarrer. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui parce que aujourd'hui le Wenge Musica ont bien gagné le pari. Okay. En tout cas coup de chapeau na Malou Djabi, coup de chapeau aux artistes il y a Wenge Musica nyonso ba vieux na nyonso en tout cas coup de chapeau parce que le mot d'ordre du papa chéri Sultan Imoto Pamba, le président du clan Wenge, le mot d'ordre que ils vont redémarrer la musique congolaise. Chose promis, chose dite. La musique a été redémarrée. Donc, ils ont redémarré l'histoire. Non, le bel Romoro, la fin de parenthèse, tombé dans le cinéma. Le king Kester Menea. Le king, il y a un king. King, il a débuté l'histoire. Le Wenge ont redémarré l'histoire. Et le king va confirmer l'histoire. Dans les parenthèses, nous développons aussi. Merci beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui, Toye, dans le sujet de Nabiso, tu es bonne origine et la rumba congolaise. Merci beaucoup. La rumba congolaise, c'est la meilleure musique du monde. Okay. Je le dis, c'est la meilleure musique du monde parce qu'il n'y a pas une très belle musique à comparer avec la rumba. La rumba congolaise, nous avons le Arabiso, RDC, les États-Unis d'Amérique. Mais ce que vous bien, ma mission est aux États-Unis, où habite Tadjana, origine de Bango, et RDC. Voilà. Soit tu es Michael Jackson, tu es Michael Jackson, à Rosala, à Mouluba, à Moukongo. Mais il y a un homme qui a senti que non, à Mouluba, à Moukongo. On est là. Donc, les aléas du direct, okay. Comme on le dit toujours. On va voir. Donc, allez-y comprendre que. La rumba congolaise, c'est la meilleure musique du monde. La rumba, par rapport à l'histoire, ça vient de l'appellation kumba. Okay. Normalement, c'est kumba, c'est voilà. Pas rumba, c'est kumba. Kumba. La kumba, ça vient du Congo central. Ok. Yabna Chebiso. Bande wana biso ba Congo. Yabna Chebiso, parce que moi, je suis un vrai Nkongo de mère. Je suis un Mboma, la grande famille Jokol, non, famille Jokol Simba. Yabna Moko ya famille wana. Batola dans les bosso RDC. Donc moni la Zamba Playa. Ils ont parking na biso. Le haut je salue le boss Joel Simba wa sali biso Parc de Prince. Okay. Parc de Prince, c'est ça bongo boîte, restaurant, terrasse, flat, il y a tout qu'on a kasafubu, la concession Jokol. Donc okay. C'est un peu ça. La kumba ça veut dire danse à hanche. Voilà. Danse au moni ba congolais ba na culture na musoni yoso ya RDC to bina kaka na luketo. Na luketo. La kumba vient du mot ya ça voulait dire la danse ya hanche. Voilà. Ben la kumba. Tonga bato na miso oyo ba zwaki bango ba esclave ba kende. Na ngamba Amerika me ba komarité. Bazaki ba kangama ki na mboko oto bengi Cuba. Parce que
bah Cuba origine na bango et bauta awa. OK. Bauta RDC et yangwana ton kiguna et komi salsa. Salsa, voilà. Donc c'est un peu ça. Et par rapport à l'historique, la rumba congolaise a commencé dans la première génération ou la première vague. La première génération, ou Vagaliboso, ils ont bongo, bah Wendo Kolosoy, bah maman a dit Lucia Yenga, bah Bagimo Ebele, bah d'Oliveira. Ma d'Oliveira, certes, qui n'était pas aussi congolais, parce que d'Oliveira, c'était un Angolais, mais qui a grandi ici en RDC. Je crois aussi qu'il est né ici en RDC. Donc, on peut dire, avec ma maître Toro, voilà. Maître Toro, mon grand-père, je profite aussi de l'occasion pour présenter mes condoléances à la grande famille Yabana Yolo Nyoso, parce que nous avons perdu mon papa Leki, papa J.C. Toro, donc, qui était resté comme Yaya Ndé Ali Bosso, Yabana Nyoso, Yabana Maître Toro. Donc, grand frère Bafogi Toro, donc papa J.C. Toro n'est plus bourgeois. Il a grandi dans la bourgeoisie et a couffé dans la bourgeoisie parce qu'il est à Zalaga bourgeois. Okay. A Mbongo, père couffé dans Mbongo. Okay. En tout cas, le programme vous serez annoncé d'ici là. Donc, pour dire quoi, le père de la musique congolaise, c'est papa Nabiso Wendo Kolosoy, que nous avons transformé dans Kolosoy, mais c'est Kolosoy parce que c'est lui qui est le père de la musique congolaise. Bah, ta musique, Maître Toro, chanteur, danseur, il y a chanteur, guitariste. Et après, la personne qui a modernisé la musique congolaise, c'est le Grand Calé. Donc, on peut dire, le père de la musique congolaise moderne, c'est Grand Calé. Mais le père de la musique congolaise, en général, c'est Wendo Kolosoy. Donc, il y a le père de la musique congolaise et le père de la musique congolaise moderne. Parce que lui, il avait modernisé la musique. Donc, le Tokomana, bah, chanteur, bah, guitariste, Banini, Ezaki Bongo, orchestre. Okay. Et puis orchestre, la musique à Congo, c'est bien Grand Calé. C'est le Grand Calé, Ndemoutou, Asala et Logoana. Ah, on t'a dérangé, hein. Donc comprenez-nous, nous sommes en RDC, c'est toujours comme ça. Oh, Bandalité, ma voisine à Bissot, oh, Bandalité. Donc il y a un voisin avec toi, parce que Bandal, c'est ma kélébo, c'est ma voisine à Bissot. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et pour dire, la musique congolaise, Tozarana. La rumba congolaise en soi est divisée en deux parties. Nous avons la rumba fiesta et la rumba odemba. La rumba fiesta, c'est un peu l'école. Merci beaucoup, JPN Production. Nous allons essayer un peu de historique, quoi, un peu mener mes photos qui sont un peu rapides parce que bah tant la télévision, vous avez ta télévision, moi et bien on les alara. Alors parlons aujourd'hui d'où vient Tchatcho. Tant que tu as Tchatcho, tu auras directement Koffi Olomide. Tchatcho, on a quatre musiques. Ça peut être un peu comme ça, dérivé ou tu as rumba. Dérivé à ma casse. Dérivé à ma casse, Koffi Olomide, c'est parmi les génies à la musique à Congo. Là, on ne peut pas mâcher le mot, c'est un génie. Koffi Olomide, c'est un génie à la musique à Congo parce que. On a dit parcours historique et artiste, on a ressenti que non, c'est un génie. C'est un génie parce qu'il a commencé par un faible commencement et aujourd'hui il est là où il est, c'est un monsieur à féliciter. C'est un monsieur à féliciter. Et Koffi Olomide est très intelligent, donc il y a un homme qui a la loi, mais il a baxé Pablo Rumsunakati. Koffi Olomide a eu la chance de collaborer avec ma couleur sur la musique. Koffi Olomide, pour devenir Koffi Olomide, il a été du. On l'a découvert par Papa Wimba. Ok. Koffi Olomide, dans le parcours, il a bossé, a travaillé sérieusement avec King Esther Menea. Parmi l'album, ça a été succès. Pièce à Koffi, moi sourire. Francine, moi je t'aime beaucoup. Donc, ce sera l'album, on a senti que nous ne voyons pas Koffi, il y a chant, et lui, à lire Moussous. Koffi Olomide, a travaillé avec le Zeiko Langalanga. Voilà. Koffi Olomide a travaillé avec l'amour est comme ça la tempête. Bolingo est comme ça la ouragan. L'amour est comme ça la naufrage. Avec le grand Josky Kambokuta. Ah.
après bah tube au confier ça en vie. OK. Kofolo midé aille à travers avec le choc star de Baba El Shabab. Defao matumo na gutu na ngai personam yaya Carlito va accompagner na album naï. Donc Kofolo midé à travers avec ma grande nion c'est influence wana et yango et pesa et pe que tu sois aïe nango. Ce monsieur, c'est un génie. Dans le temps, on croyait, ou il nous faisait croire qu'il était de l'école Fiesta. Or, en réalité, Kofolo Midé a tiré musique n'a plus d'influence à Odemba. Je crois, tant qu'on a travaillé dans Josika Mkuta, on a eu un goût makasi parce que c'était l'oké jazz. Et moi, j'ai compris cela quand j'ai assisté au concert de Kofolo Midé à Kofi Chante Luambo. Ce monsieur m'avait émerveillé pour jouer la musique de Luambo, c'est pas facile. Mais il y a un exercice moureux. Il y a un faux chanteur. Mais ceux qui ont un karaoke, il y a un gros salaire. Ok. Luambo, pour mettre un bloc à Luambo, il y a deux fois. Mais Kofolo Midé, ton petit Kofi chante Luambo. Moi, je me suis dit, non, ce monsieur, c'est un génie. Donc, Kofolo Midé a puisé sa musique, n'a plus Naudimba. Mais comme il est intelligent, c'est un génie, à sa symbiose, il y a Odemba, na Fiesta. Il y a un sali, moi, mon kie couleur, wana tchatchou, pe, avec wana, na façon na écriture. Kofolo Midé, dans un monocola, Natsikali 16-0, Natsikali Maboko Pamba. Sola Ndiango. Yapena. Chariot Kendeka Malamou Mbole Euro. Et la Kayo comme la Kangaï Soki Ozongi. Thématique Moko. Thématique Moko. Mais, ça, monsieur. Non, il est intelligent. Kofolo Midé a assimilé cours par correspondance. La grande Yonso, payé Moko, il a eu à côtoyer la grande Yonso, à Zoua. Connaissons ma casse et aujourd'hui c'est un génie. Donc en fait, je peux dire, selon moi, que la musique qu'on appelle ou que Kofi a baptisé le Tchatcho, origine dans Outina plus na Odemba, mais na Kati sospe à Fiesta Ezali. Mais Kofi Olomide, comme il est intelligent, avec une écriture na Yepé, ou à Kofi Olomide, sa façon de composer, sa façon de composer, avec une influence, il y a musique à Libana, et dans le balai, ceux qui Tchatcho, entre guillemets, la musique de Kofi, ils ont couleur, Mogo, il y a VIP. C'est grâce aussi à mon vieux, mon ex collaborateur, Papa Nabiso Suzy Kasea. Merci. Suzy Kasea a eu la couleur, il y a musique Mogo VIP au sein du Tchatcho. Donc alors, en fait, le Tchatcho, en un mot, selon moi, le Tchatcho vient de la rumba. Odemba mixé un peu na sauce, il y a Fiesta, donc symbiosona de Esali. La rumba Oyo, musique Okofi, Abenga Tchatcho. Alors, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Tokende, moi, droit au bin de Balobara. Alors, vous avez suivi l'émission dont Nati Lokolé, Basalina, Félix Razé, quoi. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de suivre cet entretien. Mais en connaissant d'abord, déjà, il y a déjà Kano émission parce que Razé, quoi, Mouto Bongo, Nati, c'est un ami et frère, il y a longue date, tout est banni. Donc, ce Mouto, tu revends, tu revends la musique, ce Baza 3, la presse congolaise, Nogo Nati Zali, Mastananga Monangiri Koto, mais Aroma Solbatique. Okay. Parce que Nati Lokolé, Bandalungwa, on a plus de 10 ans à Bandal, donc, on a appelé Bandaloa. Parce que Bana, Madame, Chebiso na Bandal, donc Solbatique, Lokolé. Ces derniers temps, un peu Félix Ozuka parle beaucoup de Kofi Olomide. Tu es bien qui est un ennemi géré. Mais tant que ça les réconciliations, du coup, Félix a commis Kofi, jusqu'à ce que dans la quatrième mission, Félix Ozuka a accepté qu'il y ait Abeta Tchatcho.
Mais c'est quelque chose d'étonnant. C'est lui-même qui est naturellement collé à Kamwe. Il y a même le Kamwe, il y a au Kamwe. À Boéli en haut, Albi Tchatch, tu résistes à rater. Bon, en fait, il faut faire la part des choses. Premièrement, pour tourner à Sogi, le monde des arts est redémarré. Réellement, le monde de la musique a été redémarré par le clan Wenge, le grand Wenge. Et aujourd'hui, bah, il fait un peu de temps. Félix Oise, il a fait une bonne relation avec Bango. D'attendre, il a fait pour redémarrer la musique congolaise. Il a fait un peu de temps. Il a fait Wenge. Donc la organisation, il a fait un peu de temps. Il a fait un peu de temps. Il a fait un peu de temps. Pour moi, je trouve notre Bango très normal. Parce que Kofiolo, qui, Félix Oise, quoi, Bongo, monstre d'amour, ou bien Mikolo, Anzelou, Aza fanatique à Kofiolo Midé. Aza fanatique à Kofiolo Midé. Je crois, Yé Mouko. Na style, au sens que non, Kofiolo Midé, Nanki, Oise, Aza fanatique à Kofiolo Midé. Et c'est normal que, avoué, surtout, avec Ango, ni intellectuel. Sans répondre. Donc, c'est normal. En dehors d'être fanatique, Azala peut paroler, Azala peut se faire. Au départ, non, avant de la parole, il est fanatique. Ouais. Et il a eu à travailler dans quelques albums avec Kofiolo Midé. Voilà. Sans répondre. Donc, au départ, il est plus fanatique. Il a eu à travailler avec Papa Wemba, dans Kofiolo Midé. Papa Wemba, oui, c'est là, non. Kofi a si peu la raté, Bakabo n'a Kofi parce qu'il n'a pas vu beaucoup, mais beaucoup apportait plus en foulant ma casse, Koleka, mais Kofiolo Midé, Aza idole naïe. Donc c'est normal que le Oyo n'ait pas relation avec au beau fixe, tout si Kabango, Bakindera, Bongo na Bolamo. Donc le Oyo, elle est normal que Oise quoi, à comme ça Kofiolo Midé, Aza normal, Aza idole naïe. Y a le quoi là, autour Kester, Nani, Nawera, Akumisa Kester, Maza idole naïe. Bon, notre problème, est-ce que Nati le collé, levier, que nous saluons, Azaki obligé, on dit Mara, Andi Macha, tu crois qu'on confirme en haut? Bon, je ne sais pas, je n'ai pas bien suivi. Je n'ai pas suivi l'élément, mais par rapport à Nina, dire que Natia Boy Yango, je ne crois pas. Non, aye a Boy Lindega Tchatcho, lui Tchatcho, et Zagara Rumba. Je crois, c'est un monsieur qui se documente aussi beaucoup par rapport à. C'est un chroniqueur au recensement. Parce qu'il faut savoir que nous avons des présentateurs des émissions, des animateurs, des émissions culturelles et musicales, et on a des chroniqueurs. Voilà. La chronique, ça vient du mot chrono. Voilà. Chrono, c'est le temps. Le temps. La chronologie. Ok. Donc, ça marche avec le temps, les informations. Tu es censé, voulais-je dire, de connaître l'historique de ce que tu fais. Donc, un chroniqueur est un spécialiste du domaine Morodoni. Okay. Un chroniqueur politique, un chroniqueur sportif, un chroniqueur musical, ainsi de suite. Donc, Nati le Collet, à mon humble avis, c'est parmi mes chroniqueurs au Tozango Namboga. Oui, bah, Nati le Collet. Il y a ma casse, mon ami. Baza, mamie, il est là. Baza, Chiridiawa. En tout cas, non, on le rappelle sous. Mais aujourd'hui, en fait, Nati le Collet, en fait, Aza sali, Aza en fait, traité de tous les noms. Non, je crois Nati le Collet a voulu tout simplement dire que non, le tchatcho, comme je venais de l'expliquer tantôt là, qu'ils allaient dériver car il y a des grandes écoles wana yarumba. Ça le dit bien. Lelo Oyo, Masanangai, y a Jacques Mulopwe, Asala Rumba Love. Sont bonnes. Pumbalov, sont-elles bien? Ils ont une influence à Odemba. Parce qu'aujourd'hui, entre fiesta et Odemba, Odemba n'est et 8 mois en pleurs, surtout dans la nouvelle génération. Donc, Odemba, depuis que Zaïkwe, il y a, si l'élo Oyo, donc Odemba est 8 plus d'ampleur que fiesta. L'élo Oyo, Pumbalov, il y a Jacques Moulopoué. On appelle Simbote. D'ailleurs, aux années, samedi, na Bondal, na festival Wenge, na terrain municipal, production y a les qui n'engagent Friki Lusala, mode Bondal activé toujours. Donc, Rumba Love,
c'est le docteur Gilles de Témoulopoué. Il a apporté, moi, touche Némour, mais ce qui est au final, tel ou tel bien, au Ben de Romona, bah, John Pribazan, quand tu sois ok, Romona, musique ok, jazz. Et c'est très difficile. Donc aujourd'hui, comme je l'avais bien dit au départ, que ça va dériver. Donc le tchatcho, c'est là qu'on fait le midi. Et ça apporte à la musique. Mais dire que non, tu es là au demba, tu es là la fiesta, tu es là au tchatcho. Tu es là au lobby. Ça va être obligé à condimer. Non, bon, condimer ou quoi, il y a un lobby. Je n'ai pas bien suivi l'émission. Ou bien je n'ai pas eu la chance de suivre l'interview en question. Mais. Je ne crois pas que non, Nati Abouaké ont catégoriquement comme ça. Alors, il faut faire raisonner, bon, que non, Odemba, Ezali, Nani, Fiesta, comment dirais-je, Tchatcho en soi, Ezara, va dériver, il y a Rumba, il y a Rumba Odemba, il y a Rumba Fiesta. Alors, il y a des fois, tout ça, la discussion stérile. Stérile. Vous comprenez? Ndenge, les gens qui ont fait lobby. La musique congolaise, ils a déjà tissé déjà les aliwana. Yo mon gars, tongana forme na yo. Alors Kofi Tongaye, Azui Rumba na biso, Fiesta Odemba. Azui va partir. Azui tongane comme c'est un bon couturier, un génie. A tonga tellement qu'il tourne ma casse que vraiment émotion là-bas. Mais origine, y a mon gars Rumba Fiesta, na Rumba Odemba. Ok. Est-ce que il y a un des acquis si j'ai bas à prendre en aïe parce que ce que nous remarquons dans la musique aujourd'hui et comme une fois musique n'a pas toujours remarqué la musique non, c'est que nous il faut faire la non il faut faire la part des choses aujourd'hui on doit faire un grand effort. On a mis en place une structure Amitié Presse Objectif Congolaise. L'objectivité est ajoutée dans mon avis. Mais actuellement la presse et est la divisée presse, non la presse est divisée, ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui on a des charlatans dans ce domaine et surtout monde à YouTube les gens sont permis bazar permis dans non, ça la nuance non sont français des obombango tant le bapena vérité quoi c'est que le ça la bandoki na kata ya monde na presse c'est charlatan ils vont nous dire bah charlatan ça veut dire bah charlatan ya bato Baba bota musala wana te be ko bibi sa musala ah ba charlatan parce que c'est bi charlatan so bi se yam damisa mabe te charlatan za muto a muto musala te ya ko muto azo kosa a kosa na musala mais lona kongo se sim dio a charlatan c'est te charlatan ya muto donc aza ya ko ngangat ba ba ke chanta pas te na do ko ngangat parce a kosa a peso aussi c'est o ko za ngonza te bangangat te ba to donc le lo oyo ce vrai Babino Bozali ba Stemai Bazali voilà ba Mombaya je salue mon vieux Mombaya moi nanga là c'est mon fils ba Ken Piana là c'est mon fils ba pesna ba Ken Bazali ba mbutali kazupe alonga musicien akoma pe na chronique na nini bon c'est un peu ça mais en fait on doit faire le boulot très bien. Moi, le monde a buzz. Et ça, il m'a bien tait alors. Il y a du n'importe quoi. Il y a du n'importe quoi. Là, je ne mâche pas le mot. On n'est pas des donneurs de leçons. On ne connaît pas aussi tout, mais moi, une vingtaine d'années dans le monde d'Otosali, on a eu à diriger des chaînes de télévision à Miné, à Mboka, Oyo, on a eu à diriger des structures, on a eu à encadrer des gens. Toi, on a pas de la baisse moi, on a baissé moi, on a Yvette. Peut-être aux autres, mais là, pour être clair, en fait, presse est commis à partie. Presse est commis à musicien, presse est commis à depuis toujours, depuis toujours, on a connu. Et puis, c'était que non, chroniqueur, bon, journaliste, animateur, affinité, na yona mutu songolo mpaka là. Ils ont m'abêté. Mais ils ont là au détriment, il y a X, Y, T. Parce que, en soi, mon salaire à la presse, le journaliste est au milieu du village. Et puis, c'était que ngai, na sa la promo, il y a King Fally Ipupa. Mais, et le but, c'est que, ce que la promo King Fally Ipupa, il faut que les chrétiens Watana hérité parce que le haut au bout de la Kinshasa album hérité mi ange mi démon de Kangi ce que n'a dit baga na boy na hérité le haut na boya frégola na boya mundibu non c'est un peu
on doit faire la part des choses. Moi, il y a ce que Nati a fait. Naïbité, il faut la vision. Mais je ne crois pas que Nati, en connaissant mon frère, alors qu'il m'a bassé, ça m'a cassé, bon, à boire à Kofi, boui. Allez, nous faire raisonner, je crois, mais il faut tout changer, moi, mon qui est bon. Et après, le passé, on peut se conseiller, on peut se conseiller. Mais du moins, quand on a un salam à l'âme, on a un droit chemin. Quand on a un bon gézali, tous ont appelé mon qui a un droit chemin. Bon, je sais que dans le cas, il y a presse, dans le cas, il y a monde, il y a communication, il y a aussi la comédie. Ok. Ma presse fait la comédie, puis ça va nous faire mébélé. Merci beaucoup, J.P.N. Nous avons suivi une émission au Pesa Kiken. Mais tout le monde a chatoté. Merci beaucoup. Tolandi émission Félix Razé quoi bah mbaki na ken piana mutalika su et puis ndezala kaka bah singie a classé selon Yassi 5 grands musiciens à banana numéro 1 ti na 5e Atangi Mutali Bosso, Kaka Kofi, parce que tu as compris le thème, Mikolo, Félix, tu as dit que trop de Kofi, il y a un Kofi, il y a bon. Non, tu as dit Kofi, place à Zolo, il est trop bon. Mais c'est normal, il faut reconnaître Mouninga, c'est ça, on est Tolingi. A classer Mutali Bosso, Kofi. Nami Bale, aye, Vejosa, et Nami Satou, place où on a tâtonné mon mke. Alobi, jouer à Ali Misaye, voilà, mais Nenga Ochapina, Ochabon Mibalete, Arochabi Bambale, mais Yaponi Nanagi, Nanagi Patera, la troisième, Asie Ouer en AGB, alors, Aye Lissousou. C'est comme s'il y a un problème pour nous. Il a côté de moi, mais ça, mais on va le voir. Moi, ni mais à qui qu'on s'est rattrapé à elle sous sa lobby, la quatrième position. Ferena Fali, mais il y a pour nous Fali. Place soit à moi, tu vas les attraper pour nous. Mon quartier Fali à elle, la cinquième match Ferré. Après, à elle sous sa longue l'hiver à tes héritiers Wata. Ce que selon j'y peine production Kabong. Classement à la salle, est-ce normal? Bon, comment dirais-je? Dans tout le barabus, on a la presse que l'information est sacrée, voilà. Mais le commentaire est libre. Ok. Et ça, et à point de vue à Moudnamout. Okay. Donc, point de vue, il y a Félix Azé Kwamoukou à Bongo. Et ça, point de vue, naïe. Il sait le pourquoi où il y a ça les choix, et on doit respecter le point de vue naïe. Mais moi, je me rappelle à l'époque, tout le temps, tout le monde a confié le milieu, tout le monde a eu un problème de la musique, tout le monde a eu problème de la musique, tout le monde a eu machin, tout le monde a eu Dédé Amouli, toujours dans l'esprit sur le bâti. Dédé Amouli, tout le monde a eu un problème de la musique, tout le monde a eu un problème. Tu as un programme après Covid, tout le monde a JB. Okay. Et tu as une résidence à Kofelomide, dans la Komela qui à l'époque, à Mibusson à Montfleury. Et on devait faire un événement. On a baptisé un forum de musiciens congolais. Okay. Et quand ils sont venus là-bas, la Kofelomide a y habité. Tout le monde a un forum de musiciens congolais au sommet de la musique. Okay. Non, forum de musiciens au sommet de la musique congolaise. Oh, ami non, t'as moni. Et voilà, bisous, ma prêtre. Oh, t'as aussi misé à Congo. T'as ça, nous nous réunissons à bisous, ma leader. Non, hier moi, le prêtre, t'as aussi mis musique à Congo. À l'époque, t'as aussi misé à Congo. Après, nous sommes tous mis à misé Nyon. En fait, y a un mot. Mais attendez, Il y a un Maïcha Park. Mais il y a un
ils auraient profité, ils auraient un match à la moindre des heures, gagné les dames moli. Tu es là qu'au final palais, témoin, tonton là évolue. Vous voyez que aïe bon, tu auras son 4, tu auras 5. Bon, au travers, il y a un gars. Je crois que le premier album, Sixe n'est pas de ma casse. Okay. Alors, donc, Sixe n'est pas de bandé. Et Kofi, à l'époque, il a reconnu la force de l'artiste. Pour dire quoi, dans le temps, toi qui n'as carré d'as, la musique à Congo. Le carré d'as, la musique à Congo, Kofi Olomide, Madulu System, Weranson, Jibem Piana. Selon Kofi. Et c'est aussi une réalité. Et la cinquième personne, c'est Wazekwa. Et à l'époque, Kofi Olomide, Félix. Mais il a cité le nom de Félix Wazekwa parmi cinq artistes au Bazana. Nama solo. Il y a musique à Congo à l'époque. Bon, le haut, on a tout chuté dans ma cambouille. Il y a Wazé quoi. Bon, actuellement, classement Wazé quoi, elle dépend de Naïe. Ok. Mais le haut, mettre Kofi à la première place, ils appellent ma bête. Ils appellent ma bête parce qu'on peut tout dire. Tokena ministère ya kulture to voye maintenant ko folo midé na biso ko folo midé vieux na sepene na monyo na palin chez beaucoup osoli na mère et puis to vanne to soli to na ministère vieux beaucoup la sauté qu'est-ce na daya lelo amadilu ba sauté lelo oyo la personne particulier le quoi moi likonzi e parti ces messieurs congolais ezayo ezayo vieux en tout cas non sepe là attitude au manifester et pas beaucoup et continuer bon oui bagno papa Wemba Azagi les qui partent c'est belé mais il y a mutasi mais le roi flambeau aujourd'hui c'est à toi que faut le midi de prendre le flambeau et de continuer cause à la bongo je vais ramener ça comme à Bengi je crois Abdallah Yaga. Non pas caca par rapport à musique, par rapport il y a tancel la musique mais aussi par rapport il y a komonaya na libanda. Alors na libanda le oyo. On fait signe que nous sommes presque à la fin. Na libanda le oyo. Na libanda le oyo. Na libanda. Soit tangi trois artistes au Congo. Na libanda, c'est Kofi Olomide, c'est Weranson, c'est Fally Ipupa. Moni sikoyo. Actuellement nous Simbi. Non, à vendre les bisous Libanda, c'est pas il faut pas. Mais okay. Par rapport à. Là, je crois que mon émission est terminée. Donc, c'est ce que je voulais. Donc, c'est nous sommes venus vous chercher pour notre classement. Voilà. Je crois qu'on peut boucler l'émission JPN Production. Donc, pour dire quoi? Bon, vous avez cité Kofi Olomide, Weranson et Fally Ipupa. Il n'y a pas de Ferré, il n'y a pas de Jimé Piana, il n'y a pas de Nalobi. Nalobi, Sok Dotangi. Tous trois artistes et musiciens. Ok. Oyo, Tilelo. Moi, je dois s'en rendre. Bazor qui est décoré, présenté. Quel est Libanda? Non. Oh, Batiki Bamprend. Quel est Libanda? Oh, Pena Batiki Bamprend. Quel est Beta? Eh. Na, merci. Banane, banane. Oh, mon combat, Wera.
Actuellement, je le répète, actuellement, numéro 1, si on peut prendre trois musiciens, trois artistes de mission, il y a RDC, on va prendre Koffi Olomide, Weranson, Fally Ipupa. Si on prend trois artistes de musiciens congolais. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Zaki Nabiso Honneur, Yakoyamba JPN Production Kabongo. Je suis dans la joie parce que et l'autre auteur qu'on lui a à saler liste naïe et Monsieur Sili a rien à commenter, mais, mais actuellement tu as un album dynastie au Liban, ils ont cartonné, ils ont été comme ma kasi na katia Tolobi par rapport il y a temps par rapport à ma réalisation na temps pina minute au dynastie était là par rapport à ma réalisation kuna na Amazon nabi je le répète encore actuellement actuellement sous Tobi na Kinshasa il y a pas un album il y a pas Terrasse Moro sans mi ange mi démon donc partout yango na fête sur les bêtises ma plein dynastie non on va sentiment té mais qu'est-ce que on peut toujours poser yango na lobby yango na lobby nzem na bo ça la contre publicité à moto moi aux le normal moi ça beaucoup de choses na moto moi ba polémique stérilité moi j'appelle le chat par son nom OK je dis Faire Gola, un artiste bourré de talent. Voilà. Mon effet, un homme va comprendre a été. Faire jour pendant Faire. A Roberta, album on a vu Suzy Kasea. Projet Moro. Faire Yaka. Ndenge vya sala a zombie label a ina na projet même si c'est pas sale donc le tinda beta a juste ko faire na beta na ye projet ya bongo na bi faire a beta na ye mais to ga ina nte faire zo a bulera mko msu a zuve sous kasea a sala projet mo sur faire mon bambongo Obre balo bagu non et après ma meilleur album ya Congo avec Achuambele na PC Mote on a vu na Malai Lai donc Ferré je le répète moi Ferré na Zabwe alu ka ve souci basa la projet moi 5 chansons et les gens vont comprendre la dimension artistique de cet artiste bonne chance l'album naye Dynastie, déjà le projet c'est un bon projet par rapport à la unité, solidarité, musique congolaise, mais on doit dire les choses telles qu'elles sont. Je comprends. Mais le Oyo, balayer nos morceaux en musique, bonne chance na Bango. En tout cas, coup de chapeau na Bango parce que Yaga valeur la musique dans le Congo. Mais le Oyo, tu es bagué non, la musique à Congo. Il y a des bateaux au Basali Banzela, au Tilelo, Misana Nabango, Libanda, Penakini et Koganga. Merci donc, beaucoup. Torobo ya Bango au grand jamais. Merci. Nous sommes à la fin, JPN Production, au Pessiba Oyayo, au Balinga Roming, Mbote, avec son nouvelle télévision. Je crois, bon, on est toujours humain, deux fois, voilà. Trois ans, tu laisses Bato Moussousou, Batenik Bissou, Rigarité. On est toujours là pour donner aussi notre petite contribution. Toi, la mission va sans douter. Tu es venu sauter, mais moi, mon cœur, tu es bien. Il y a encore à te repérer ça. Un grand merci à la patronne Denise Panzou, Wadenia Restaurant, Wadenia la Bandale, na Inga Wanakara, donc sur côté na ex Boyoma Boyoma, Chaudron. Donc juste là on a venu à passer au Sangila, donc restaurant Waden, il y a plus de 20 ans d'expérience à Aza, place de grands hommes. Okay. Donc merci beaucoup à elle. Sans oublier ma soeur à moi de gros bisous, la boîte noire. Mujinga Weto, Jackie Mujinga, Lipasa, Yawadenia, donc Solidarité Bandalunga, Solba, on est toujours là. Un grand merci aussi à Papi Nganga, depuis le USA, le roi Papi Nganga, sans oublier la reine Marlène Kalwina, Natacha Katubalonge, ma chérie, gros bisous à toi, et aussi à Déborah Tichungu Mahansanka. L'américaine,
Tobosani Pété, bébé Ethan, sans oublier celle que j'appelle Mère Aboupia, Tchiricha Tchiricha, Tcha Tcha, Mère Point Final. Le code, l'unique est le seul. Il y a Willy Moucheni, Zozo Massamba, Blaise Mandoulou, na Panama, Tobosani Mbote. Et bon séjour pour très bientôt à Yago Denabiso. Il y a Londres, mais on a la minute Nakin, il y a Godé Mandoulou. En tout cas, on est toujours là au service de la culture congolaise parce que la culture, c'est l'identité d'une nation. Et nous sommes dit, nous resterons toujours culturels parce que c'est l'identité de notre commune de Bandalungwa, c'est l'identité de notre ville Kinshasa, c'est l'identité de notre pays, la République démocratique du Congo. Et moi, Jupen Kabongo, centenaire de la République, le notable, je serai toujours là pour servir mon pays. Alors, merci Jupen Kabongo d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, voilà, vous avez suivi cette émission. Zaki est vraiment apprécié. Il y a bien Jupen, la production Jupen Kabongo. Et voilà, bon, ce qui est vraiment au Alobaki, à l'obligation de vérité, je crois, Azalaki pour te contrater, Azalaki n'a pas parti prêter, il y a lobby vérité. Alors, merci pour la confiance. Bon, continuez pour la confiance, tu connais ce voir noter tout le but on a posé un commentaire nuance commentaire il y a même un malamou et ça l'a raté commenter et liker partager ça me fera énormément du bien nous on a eu trop vidé mission pour été sans que tout saluer mémoire il y a un grand moi tout le monde ma culture tout le monde ma musique mais il y a un grand qui nous a laissé le directeur Kalima Simbungu de l'RTNC2. Donc lui c'est un grand. Il est un grand de la production musicale. On a image au total révélée à RTNC, la vidéo. Ok. C'est la production de Papa Nabiso Mbongo Kalimas. Okay. Et il nous a laissé, il nous a quitté il y a quelques jours. Donc paix à son âme. Et c'est parmi ma coach. C'est seulement si Jupen Kabongo, je puis avoir cette petite connaissance dans l'Italie, musique anglaise et culture Nabiso à Kinshasa. Ma coach n'a pas un bon Kalimasi, père son âme, Baluto Mabango, Baya Fifi, Mboaken. Donc, Baza Bakuluto, encadré Bissot et ce vieux. Ils ont perdu mon âme, ils ont bibliothèque, mon musique, il y a culture, puis il y a musique, parce que papa Mbongo Kalimasi, avec papa Mbongo Bandal, il y a papa Solba. Donc, à titre posthume, tu peux essayer prix Naye à Solba, parce qu'il y a déjà parmi les lauréats. En tout cas, merci papa Mbongo Kalimasi, merci pour le service rendu à la musique congolaise et à la culture congolaise en général. Repose en paix. Bisso Balekinao, Turbo Sonrayo. Jamais et surtout ta commune Bandalungwa quartier Nayo qui Mbanza ou qui Vunda je crois donc quartier Nayo plutôt Adula Barobo Sonrayo au grand jamais merci papa Mbongo Kalimasi. Merci beaucoup voilà c'est par ici que nous clôturons cette émission. Tout le monde, ciao.